Salut tout le monde, bienvenue aux 2 minutes Quantum. Aujourd'hui, on parle de 3 variations pour développer les mollets. Donc, premièrement, pour les mollets, ce qu'il faut savoir, c'est que si ton genou est plus droit, comme un standing cover, ça va travailler plus le gastrocnémien, qui est le muscle plus au-dessus des mollets, celui qu'on le voit le plus. Et si tu as ton genou fléchi, ça va travailler plus les soléaires, qui est le muscle plus profond au niveau des mollets. Première variation, ça va être sur le standing curl raise. Et dans le fond, je vous suggère de faire 4 secondes d'étirement complet. Donc ça va permettre un plus grand dommage musculaire. Ça va permettre aussi de travailler cette portion-là qui est souvent négligée. Deuxième variation, ça va être sur le leg press. Donc faire un leg press curl raise avec des pauses de 1 à 2 secondes en partie qui est vraiment contractée. Et de faire de 10 à 25 répétitions avec le leg press. Dernière variation, je l'ai appelée le CC Calf Raise. Pas parce que c'est moi qui l'ai inventé, mais c'est parce qu'il n'y a pas vraiment de nom. Et dans le fond, c'est une position comme un CC Squat. Et ce qu'on va faire, dans le fond, c'est que ça permet de rapprocher beaucoup l'origine de l'insertion du gastrocnémien. Et ça travaille aussi le solaire. Donc ça, je fais faire en haute répétition parce qu'on ne peut pas vraiment avoir de charge. Donc de 20 à 100 répétitions au niveau du CC Calf Raise. Donc sur ce, bon entraînement et bon succès. Thank you.